Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis, avec une Rusted et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Pour l'instant, on l'ouvre. Il y a 4 trucs dans une Rusted maintenant, c'est nouveau. D'accord. Ok. Donc, pourquoi une Rusted? Simplement parce qu'en fait, j'avais fait des vidéos, chers amis, pour vous lors du Armor Guédon. Et j'ai un disque dur qui a lâché, tout simplement, un disque dur portable qui a lâché. C'est-à-dire que moi en fait je copie sur tout ce que je tourne, je le copie sur disque dur portable. Et ensuite je le dispatch entre mes deux PC, donc le PC portable que vous avez connu avec Robocraft et le PC classique, la tour, pour pouvoir faire des montages plus vite, simplement faire deux montages à la fois, ce qui fait que je gagne beaucoup de temps. Et mon disque dur portable sur lequel transfère en fait les deux images, les deux dossiers, a lâché, tout simplement. Du coup j'ai perdu tous mes... Alors j'avais fait peut-être une vingtaine ou une trentaine... Attendez, je crois que j'ai le chiffre exact quelque part... 22 ouvertures de box. Et je n'ai rien eu. Et j'ai encore 3 heures de premium. C'est génial. Donc voilà les amis. Donc vous avez encore en plus vous de l'avance au niveau des des vidéos, hein. Vous n'allez pas voir cette vidéo avant longtemps. Là à l'heure actuelle nous sommes le 30 de mémoire, le 30 mai pardon, pas le 30 juin. Le 29 mai. Et donc, il y a à l'heure actuelle des informations concernant une nouvelle map qui va bientôt arriver. Donc, ça peut être intéressant, on verra ça à l'avenir. Nous, ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va tout simplement reprendre un robot et on va aller faire une partie classique. Et donc, je vais expliquer 2-3 petites choses. Comme justement, il y a de l'avance, je risque de me retrouver en très très short au niveau du 300e épisode par rapport au fameux 15 jours dont on a déjà parlé avant. Voilà pour ce qui est de la première chose. Donc il va falloir que je fasse vraiment beaucoup de vidéos sur Robocraft en très peu de temps. Donc bon, on verra le moment venu, mais bon, ça risque d'être un petit peu short. Pour ceci, c'est dit... pour le 300e épisode, ça fait à peu près une semaine et demie que le Tipeee est lancé. Bon bah malheureusement, aucun d'entre vous n'a pu tipper apparemment. Tout simplement parce que vous êtes assez jeune apparemment. Et du coup, le 300e épisode est un petit peu avorté. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement pas d'ouverture de box. Donc ce sera un épisode classique, sans doute un peu plus long, avec sans doute quelques abonnés, on verra bien, je verrai bien le moment venu. Et ensuite, écoutez, on reprendra les épisodes classiques à partir du 301ème. Sachant que à partir du 301ème épisode, il est possible aussi que je... remodifie le cycle des Robocraft. C'est-à-dire que pendant que quand j'ai fait le sondage pour vous, savoir si vous voulez une petite vidéo par jour ou une grosse tous les deux jours au niveau de Robocraft, dans le sondage vous avez pratiquement tous répondu une grosse vidéo tous les deux jours. Depuis. C'est pas le meilleur moment pour en discuter. Bon, quand même une quantité de dégâts complètement hallucinante. Ah, dommage. Dommage. D'accord. Donc je disais, oui. Donc il est possible en fait que je remodifie la façon dont viendront les Robocraft en 4ème vidéo par jour, mais une petite vidéo d'une partie. C'est-à-dire que là vous allez voir la partie va durer quoi, 15 minutes et ce sera ce que je mettrai en termes de vidéo quoi. Ce qui me faciliterait beaucoup la tâche parce qu'en fait à la place de la deuxième vidéo par jour de Robocraft simplement. Déjà quand je vois ce genre de choses. Personnellement ça me dérange. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas censé voler ces trucs là chers amis. C'est pas du tout censé voler. ING Tesseract. Voilà. Je le dis haut et fort.
Alors, alors. Essayons de surprendre notre adversaire. Qui sait? Ok. Ok. Regardez-moi ça. On peut rien lui faire. What the fuck? Comment il peut être aussi solide? Enfin bon, là franchement la partie j'ai envie de la quitter. Soyons honnêtes hein. On peut rien faire face à ces... face à ces Tesseract et ça me saoule. Soyons honnêtes, ça me saoule. C'est pas censé voler. C'est pas censé voler. Ils sont deux. Et on a personne, aucun sniper. Gérer le truc. Ok, je peux même pas le désactiver. Oui, parce que désactiver, il me semble que désactiver le snipe, le comment le ghost module. Mais bien sûr. Oh, entre ce ghost module qui ne sert strictement à rien. Et enfin non, ça commence déjà à me saouler. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, ça devait faire 6 jours que j'ai pas joué à Robocraft. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que tu passes. Ah oui d'accord, donc le comment le shotgun a carrément été. Ah bah non, bah, je comprends pas. Honnêtement je comprends pas. Bref, c'est, ça commence très très bien cette partie. C'est la fête. Déjà qu'il y a ça, on peut rien y faire. Alors je vois pas pourquoi on réduit les. Ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule déjà. Ce jeu me saoule déjà. Ok, lui il est hyper résistant. Oh, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Cette partie est géniale. Cette partie est absolument géniale. Non, non, mais cherche pas, il est immortel celui-là. Donc, ce jeu est toujours aussi mal fichu. Voilà, regardez, ça, ça vole et ça fait des dégâts monstrueux. Donc, comment qu'il s'appelle? Alors, je regarde les noms pour vous montrer quand même les scores qui se tapent, ceux-là. Trafalgar, il me semble. Il en est où? Trafalgar, machin. Ouais, ça va en fait, c'est pas tant. Oh. Mais oui, vas-y, continue à faire des dégâts. Skull Blacka, dragon. Y'a un fan de comment de. Y'a un fan de comment de Eragon. Hop. Eh ben non. Oui. Oui, bah ça me saoule. Ça me saoule déjà cet épisode. Donc je vais faire un surrender. C'est la fête. C'est la fête. Alors certes, je suis sans doute influencé par le fait que j'ai perdu plein de vidéos, que plein de choses, bref. Qu'il était Serac dans la partie, que c'est pas censé voler, que mon machin devrait être lent, devrait être rapide. Mais non, parce qu'en fait, mettre 10, 15 petits trucs, ça fait aller plus vite que mettre deux gros réacteurs. Bref, plein de choses comme ça.
Je comprends très très bien, hein, y a pas de souci. Hein. Mais. Oh bah oui, bah oui, l'utilité de cette ce ghost module, elle est présente, hein. Mais non, parce que c'est forcément, si on fait vraiment de la vraie invisibilité dans un jeu vidéo, c'est clair que ça va intéresser personne. Non, non, je suis désolé. Ah bah oui, parce que je suis niveau 7, c'est vrai. Yes! Ah voilà. Mais oui, bien sûr. Je suis à 2 cm du sol, mais c'est suffisant. Alors, monsieur Swede, non, tu vas malheureusement devoir quitter ma liste d'amis. Les invitations au jeu, depuis quelques temps, c'est fini. Si je suis en game et que vous m'invitez, c'est fini. Voilà. Je le dis. Est-ce qu'il s'approche ou pas du tout? C'est bien sûr, maintenant c'est un sniper qui me la fout à l'envers. Eh bien sûr. Alors un sniper over, normalement qui n'est pas censé être précis, hein, je précise quand même. Hein. Putain, jeu de merde. Je suis désolé, mais là ça me fait rager. Hein. Là je suis désolé. Hein. Ils ont commencé à chier sur leur sniper déjà parce qu'ils faisaient plus de dégâts. Ensuite ils se sont dit bah tiens comme ils font plus de dégâts, on va les rendre plus faciles à utiliser en mettant des hovers. Oui bah c'est plus un sniper, je suis désolé, hein, c'est un rail shoot. Enfin oui c'était pas des snipers à la base, c'est des rail shoot. Ce qui n'est pas pareil. Donc dans ce cas-là qu'ils nous foutent un vrai sniper. Hein. Allez! Eh ben non. Eh ben non. Pour une raison inconnue, je me suis mis d'un seul coup à faire des symboles manière vache. Vous allez comprendre. Alors, à mon avis, le curseur devait être sur la map, je sais pas, n'importe quoi et encore, parce qu'il fallait que ce soit quand même vachement précis. C'est débile. Entre les bugs, les trucs qui sont pas censés fonctionner. Ah, c'est génial. J'adore. J'adore ce jeu. Je vais retourner faire un petit coup de coucou à leur truc là au milieu, enfin à leur base. Ah là là. Comment commencer la journée énervée? C'est ma première vidéo de la journée, pour vous dire. Et merci à cet abruti. Bon, bah super partie. Franchement génial, j'étais le pire de la game. Ok. Et en plus il y en a qui sont heureux d'être des Tesseracts. Bah écoute, C'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Une rusty de moisie. Ah,
Ok, que des trucs moisis. Bon. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir regardé ma rage. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.